Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit. Mais toi aussi t'es perdu? Bah en fait je viens de me réveiller après une grosse explosion là. Moi aussi. Je sais pas ce qui se passe. Moi aussi. Et tu sais pas nous amener au bunker parce que je crois qu'il faut aller là-bas là. Comment ça nous amener? Moi j'en sais rien frère. Mais là tu sens pas là le... Je sens pas quoi? Bah y a des gaz radioactifs là. Bah ouais. Ouais. Mais on va mourir ici. Tu sais pas où. Merci Spout. J'en ai aucune idée. Ah, tu me dégoûtes. C'est le. Ah non, merde. J'avais un masque de respiration. Ah merde, non. Ah merci, parfait. Merci mon frère. Non sérieux, faut aller où? Je sais pas. Ah, ça va mieux. En fait, il y a un bunker, mais je sais pas c'est où. Bah moi non plus, frérot, bah on va mourir ici, je te parle sérieux. Hein. Bah, viens, il y a des avions de chasse là-bas, viens, on va leur demander. Toi, t'es quoi comme brigade? US Army. Merci, Spout, wesh! Tu sais conduire un avion, sinon on prend l'avion. Y aura moi, je suis. Oui, je sais conduire des avions, je suis des Air Force. T'es une Air Force? Ouais, je suis Air Force. Mais, il faut que j'aille où? Je sais pas. T'inquiète, je suis Air Force parce que justement je sais conduire les avions, c'est pour ça qu'ils m'ont mis là. A l'aide! A l'aide, pitié! Qu'est-ce qu'il y a? On est perdu! Comment ça, Bravus? Vas-y, monte là-dedans. Faut vous amener où? On s'est endormi après l'explosion, on était au hangar. Comment ça? C'est vous qui venez d'atterrir là avec le Blackbird? Ouais, c'est nous. Je suis de la Air Force! Comment ça, vous êtes l'Air Force? On vous a jamais vu, hein. Mais je le jure que je suis de l'Air Force, espèce de connasse. Ah bon, on t'a jamais vu. Mais c'est pas parce que tu m'as jamais vu que j'existe pas. C'est étrange. Okay. Y'a plein de gens que t'as jamais vu qui existent, hein. Ça, c'est vrai, t'as raison. Du coup, ça se passe comment, là? Communiquer à 22h au bunker. Je pense qu'on aura des directives là-bas. Carte est libre jusqu'à 22h. Wow. C'est la récré? Ok. Ouais, voilà, c'est la récré. Et on fait quoi dans le bunker quand c'est la récré? Je sais pas, tu discutes, j'en sais rien, moi. Tu fais ta vie, hein. Il marche le téléphone? Libre, c'est bien. Non, pas du tout. Ok, ok. On a toujours pas remis le... Et les radios, ils marchent? Les radios, oui. D'accord, ça marche. Il y a des trucs marrants à faire dedans ou c'est juste un bunker? Bah, franchement, c'est juste un bunker, chérie. Bon courage. Et des magazines. Mais vous faisiez quoi? Vous patrouillez en fait, c'est ça? Ouais. Heureusement, ouais, vous... ça, ouais. Ok, heureusement on vous a trouvé. Bon bah merci en tout cas messieurs. Pas de problème. Brrr, les téléphones marchent pas. J'ai de la planter. Il y a mon ami qui est, on s'est perdu et du coup on peut planter. Il y a juste le briefing à 22h, faut attendre. Jure. Ah, ça va les fils de pute. Ta gueule. Je suis stylé ici, hein. Ta gueule. Il y a quoi de sympa à faire ici, les mecs? Là, 2h, je pense que ça va pas. Quand ça sera 22h, y'a moyen qu'on sorte dehors. Comment ça, on rentre? Ah, mais t'es là, Derba! Oui, on a besoin de merde. Oh, c'est DM4, moi aussi, je DM4. Oh, Derba! Ouais, 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 mon frère, ça va? Ça va? Tu m'as laissé en chien, fils de pute? Tu m'as laissé dans le truc dehors? Hein? Faut aller manger. Quoi? Non, parce que j'ai essayé t'envoyer un message, mais j'arrive pas, y'a pas de réseau. Ouais, ça casse les couilles. Ils ont tout coupé, c'est bâtard. Oh, bâtard, tu m'as laissé dans le hangar rouge là-bas. J'étais en train de dormir, je me suis étouffé. Mais non, je t'ai porté, je t'ai ramené ici. Menteur, je me suis réveillé là-bas, j'ai développé 3 cancers. Je suis radioactif, je suis vert, je brille dans la nuit. T'es sérieux là-bas, Der? C'est ça la famille? Son Caillou Perico, t'es radioactif. Ouais.
On va les contaminer, ces fils de pute. non, mais t'inquiète, t'avais dormi dans le hangar rouge, il est sécurisé. Et c'est comment là? Ah oui, tu sais pas non plus, toi. Bah non, j'étais pas là hier, je sais pas. Ouais, elle est sciée ta tenue? Pourquoi t'as ça, toi? Ouais, c'est les navires. C'est bien? Je sais pas, j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. T'as rien fait? Mais en gros, aux dernières nouvelles, je te jure, heureusement, t'as dormi, hein, mais. Parce qu'après, c'était que de l'organisation. Mais en gros, ils nous ont mis. On était à la police d'ici. Elle est où, la princesse? Elle est décédée. Arrête. Bah, en gros, elle a. T'as vu, quand il y a eu le moment de la bombe nucléaire? Ouais. Bah, frère. Putain, je suis veuf. Ouais, mais ça va, t'es vif. Genre, quand Attends, mais je vais toucher l'héritage. Non, mais je rigole, elle est pas morte, elle est là, je sais pas, elle est où. Mais t'es prince, fils de pute. Viens, on. Putain, c'est quand que ça se règle tout ça? On va aller à Caillot, t'es prince. La vie de ma mère. On doit être accueillis comme des rois. Mais t'es prince, mais c'est. C'est Dakota? C'est la loi. Oh, Dakota. Putain, oh, Dakota, ça va ou quoi? Crise, elle s'habille, elle se met en mode. Ouais, je te jure, elle est toujours fraîche pour moi. Tu me régales, mon cœur. Oh! Oh, Dakota! Oh, connasse! Eh, mon frère, il s'est marié! Non, arrête, dis pas! C'est toi et ta chance, si elle entend pas. C'est bon, tu l'as dit une fois, ça suffit. Oh! Dakota! Bref, viens, on va voir un peu ce qui se passe, tout ça. Vas-y. Mais habille-toi comme moi, c'est mieux. Mais je l'ai pas, moi, j'ai la tenue d'Air Force. Mais si, mais regarde, tu vois là. Je vois quoi? Bah, la tenue. Regarde, ils en ont laissé une là. Non? Aïe, ta mère. Viens, on va. Mais en fait, c'est la ville. En fait, là, tu vois, c'est la ville. Oh, mais garde tes TN. Putain, Badel! Enlève tes bottes. Ta gueule, toi. Enlève tes bottes, tu vas voir. Et tu peux garder tes chaussures. Attends, je vais les mettre. C'est qui elle? Pourquoi t'as dit oh putain Bader? C'est ta meuf? C'est ma meuf d'ici. Non, je suis pas sa meuf. Comment tu t'appelles? Mais c'est Selena. Ah, c'est Selena. Mais j'ai repoussé tes cheveux. J'ai mis une perruque. Mais non, je t'ai mis de la crème irritante. Mais non, tu me l'as pas appliquée. Mais si, c'est dans la tondeuse. Ah bon? Bah oui. Ah, ça, c'est pour ça. Bah j'ai juré, je vais te raser la tête. Je vais te la mettre la crème cette fois. Putain. Oh, s'il te plaît. Ah oui, t'es comme ça toi? Mais non, t'aurais pas dû, t'es baisé là maintenant. Maintenant, ça y est, c'est ta tenue ça. Comment ça? Bah, tu pourras plus l'enlever, genre. C'est quoi ça? Annule. Faut pas que tu fasses ça, annule. Mais j'ai pas compris. Annule. T'as annulé là? Ouais, voilà, non. Et genre, en gros, t'enlèves tes chaussures juste. Genre, simple. Et tu vas remettre tes chaussures que ah, t'avais mais en dessous. Mais non, mais oui, mais en fait, j'ai. Non. Pékin? Moi, j'ai pas eu ma tenue comme ça. Regarde. Ah, ok. Et wesh, pourquoi il y a plus de meufs à l'armée que dans la ville, frérot? Get les chicas. Putain, on aurait dû venir hier, en fait. Là, c'est sûr, tous les couples, ils sont déjà formés, là. J'ai la haine. Mais oublie pas, on est les Brabus. Comme ça, je te ferai un petit truc en plus. T'as dit quoi, mon ref? Vas-y, bouteille d'eau, ça part. Putain, ils étaient tous là-bas. Eh, hey, y'avait quoi là-bas, messieurs? Salle de réunion, mon ref. C'est ça, faut aller. Parce que tout le monde va là-bas, là, faut aller là-bas? Ouais, bah ouais. Parce qu'en gros, il y aura le débrief de la soirée. Ok. Très bien! Je suis très fier de tout le monde qui est dans cette salle, d'accord? Vous tenez le coup. J'ai quelques annonces à vous faire importantes, d'accord? Ce soir, comme tout le monde commence un petit peu à s'inquiéter pour sa vie. On va faire un test pour voir s'il y a des morts ou pas, d'accord? Donc c'est un petit peu un crash test que le président organise. Donc, en fait, c'est comme une school, mais militaire. En gros, je comprends. 15 personnes vont être retenues pour l'US Army, d'accord? Tous les autres réservistes ne seront plus demandés. Du coup, vous deviendrez des civils et vous irez dans le nord faire votre vie. Et essayez de reprendre une routine Let's go. Normale. Let's go. Écoutez, avant de crier la joie, avant de crier, d'accord, il y a toujours des pilleurs qui sont dehors, qui veulent tuer des gens, qui veulent racketter des gens, d'accord. On doit armer les civils. Et ils veulent tout. C'est pour ça que l'armée va tourner régulièrement. Également, l'armée va se rendre en exploration dans le sud
pour faire des photos des dégâts. Ensuite, mais regarde ce fils de pute de James. Il a son suite à capuche orange, frère de malarmé. Toujours la radio globale d'urgence. Si jamais une personne d'entre vous a besoin d'aide, ta grand-mère, suce. Vous irez là-dessus. Pour finir, l'US Air Force sera dans les airs tout le long de la soirée pour examiner la zone. Oui. Je vais sélectionner dès maintenant les personnes qui vont participer à l'US Army. Je vais demander à toutes les personnes volontaires de lever seulement la main, s'il vous plaît, et de faire aucun bruit. On va se Je vais passer dans les rangs. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pourquoi qu'on lève la main là? C'est pour faire la guerre. Qu'est-ce que tu veux toi? Bien réservé. On fait ou pas, Céline? On fait quoi? Mais on fait, non? On fait quoi? Vas-y, viens, on fait, viens, on fait. Les 15 places. Pardon, chef. 15 places pour aller où? Pour aller en vacances. Écoutez, je ne prendrai pas les faibles ni les blessés. Mais non, mais viens, on se la coule douce. On va faire qu'on fasse notre vie ou on va faire l'armée? Non, on fait notre vie, on se la coule douce. On laisse les. Moi je te dis, on va avec les pillards. On va avec les pillards, frérot. Avec les pillards. Et après on les baise. Oh, ça va être... Quoi? On va avec les pillards et après on les baise. Lève la main, Jordan. Monsieur le colonel. Et on les pille, nous? Je lève la main, ma gueule. Moi j'ai juste compris, il y a l'armée, 15 mecs. Et des pillards. Non, il y a des pillards aussi. Dans la nature. Vas-y, bah ouais. Je m'apprends, lève la main, wesh. Mais monsieur, si on est dehors, comment on fait pour on dit? Tu mets dans la gueule du loup, wesh. Eh bien, alors ici y'a personne. Moi j'ai ma famille, c'est bon. Alors. Vous, la carpette bleue. Non. Ça veut dire que je suis faible. Vas-y, moi, c'est la pas faible. Je suis folle. Vous, là devant moi, les lunettes. Ouais. Vous okay, aussi, nickel. Vous allez. Là-bas, y'a deux hommes. De l'US Army là-bas, vous allez là-bas, ceux que je sélectionne. Chef, vous pouvez répéter, c'est quoi les 15 là? C'est l'US Army qui va participer aux missions. Voilà. Aux missions d'exfiltration, vous. 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 On va baiser la concurrence, vous. Très bien, les deux filles. Vous. Un qui est parti là avec les cheveux roses alors qu'il a pas été appelé. Hein. Je l'ai vu. S'il y en a un qui part alors qu'il n'est pas appelé, vous me le bougez. Mort. Frère, viens, on va avec les pillards et on leur baise leur mère. Vas-y, on fait ça. Mais viens, on fait la hagra, faut qu'on a toute la graille. Tout le monde va calmer. Et on vend la bouffe après. On va profiter de cette crise pour faire du bif. C'est ça, mon frère. Fils de pute, c'est moi qui t'a mis la baffe et tu vas rien faire. Vous. On va se la pote. Qu'est-ce que tu veux, fille? Qu'est-ce que tu veux, gros lard? Tout va bien. T'as encore envie, ma Jordan, ça va et toi? C'est Belek, toi, t'as eu. Oh, monsieur le président. Je prends la main. Moi, je suis. J'ai vu. Le clivo, t'es blanc. Non, mais venez. Parce que moi, je. Comment ça se passe? Moi, je suis le prince de Caillou Perico quand même. Quoi? Ben oui, c'est vrai. Et ça fait Bader aussi, parce que c'est le frère du prince, c'est-à-dire c'est le prince aussi. Et je propose une visite diplomatique avec vous et que quelques gardes de l'armée pour une visite du président et du prince. Parce que aujourd'hui, Céliane vous autorise à aller à Caillou. Très bien, avant je vous invite. Très bien. Je vais vous demander. Ok, je pense que ce soir, on va faire une visite de courtoisie au président. Dans les ouais. Vous venez d'aller voir un peu plus tard. Il va Hebel. Quoi? Armes, munitions, on va voir un peu plus tard dans la soirée. Oui. C'est bon, ça marche pendant le quartier libre. Messieurs, pardon. Faites de même, pas. Eh, chef, on a pas d'armes. Non, voilà. On n'est plus d'armée, mon gars. Tout le monde est fouillé, sans exception. S'il y en a un qui triche, qui bouge, monsieur, ici, là-bas, ici, vous regardez que personne bouge, d'accord? Ah, bah, j'ai donné, ça y est. Jérémy, t'es là? Ouais, j'avais. Sa grand-mère. Vas-y, fouille-moi. Faites le tour, personne bouge. Lamar, les shérifs, faites le tour, que personne bouge. Lamar. Oui. Avec mon frère, on se pose la question. Nos armes personnelles, on doit les donner? Oui. C'est-à-dire Beretta, etc., on doit rien avoir sur nous. Oui, rien avoir sur vous. On lui donne, il est où? Il est où mais, on lui donne. Putain, mais moi, il a une grosse valeur sentimentale, je le retrouverai c'est un jour. Lui. Donnez-moi, je vais vous le mettre dans votre casier, vous le récupérez quand on vous autorisera de vous le donner. Ok. Vous me le rendez, hein?
Ouais, je vous le rendrai. Et du coup, prenez ceux des autres aussi de la. De... Ouais, bah, vous leur dites de venir. Je peux garder juste mon point américain par pitié, monsieur. C'est des bagues, c'est comme des bagues. Ouais, merci. Hey, donne-lui le beretta, je l'ai donné à toi, ça va. Ouais, c'est bon. Et moi, je garde mon couteau parce que je t'encule. Votre quoi ? Vous pouvez garder un couteau, hein. De toute façon, on n'a qu'à dire que vous l'avez chopé quelqu'un. Ah, jure, en fait, il est courant. C'est un ripou de baiser. Vends qu'il est Marlon un peu. Vends qu'il est Marlon un peu. Vends qu'il est Marlon un peu. Mais nique ta mère, j'ai. Mais je l'ai niqué juste après quand t'as niqué. Ça va, les fils de pute ? Ça va, fils de pute ? Il est où ? Retournez dans la salle, le rang médical. Je sais pas où il est. Oui, le rang médical, allez. Ah, mais toi, les fils de pute. Oh, t'as ton doigt. Un enfant. Ah, mes téléphones aussi, ça remarche. Non, oui. Ah ouais ? Ça remarche le téléphone ? Mais non, ça marche pas. Ça remarche ici. Ah ouais, c'est bon. L'antenne téléphonique a été réparée, venez pour les masques. T'es un bon, que l'on est, t'es un bon. Ouais, ouais, ouais. Ton civil, on se bat là, en plus, il y a l'heure. Mais me faites pas chier avec vos munitions. Mais on a pas donné. Il en a une donne. Vas-y, on sort, viens. Mais à Paletto, j'ai vu qu'on pouvait respirer de manière bien, c'est vrai ça ou c'est faux ? C'est faux, il faut prévoir, d'accord ? On sait pas, on n'a pas fait les calculs exacts pour l'instant. Ok, ça marche, merci chef. Vous êtes pas toute tenue et tout, ta arme doit être saisie. Tenue militaire, tenue militaire, on doit vous les saisir, monsieur. Wesh. Wesh, mais il va falloir le rendre. C'est les ordres. Bah, on devrait le rendre. Bah, donnez votre nom à Zach, s'il vous plaît. Merci. On va voir plus tard, là. Lieutenant Jackson, tu dis. Ok, d'accord. Tu te rappelles de Lieutenant Jackson, vas-y. Meilleur lutteur. C'est quoi, toi, ton nom, c'est Zach? Attendez, venez, c'est Gare, s'il vous plaît. Pitié. Zach Torres. Ok, vous avez c'est bon ? Mais parfois, il est bien, ça y est. C'est bon, chef ? Oui. Ouais, c'est bon. Merci, t'es un bon. Au revoir. 7759. Let's go. Liberté ! Quand je dis non, c'est non. Ah, c'est Jordan, là ? Ah. Non, c'est pas Jordan. Oh ! Oh, le ronflard, là. Tu peux me le dégager de la voiture, s'il te plaît ? Mais y'a pas de soucis, capitaine. Merci beaucoup. Ok, désolé, je me suis fou. Non, du coup, je disais, je vais essayer de les convaincre, mais ça va être compliqué. Je vais essayer de les voir et de les convaincre. Putain, y'a pas de problème. Il est où, Bader ? Vite, vite, ta mère, vite ! Vite, monte, monte ! Mais déjà, tu. Oh, non ! Pourquoi, monsieur ? Descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je vais descendre. Bader, monte. Bader, je monte. Bader, monte. Non. C'est bon, mais pourquoi on peut pas la toucher, cette voiture, monsieur? Parce que c'est au capitaine, monsieur. Mais il m'a dit qu'il me l'a prêté, demandez-moi. Elle a dit non, et c'est une femme. Putain, merde. Ça va faire quoi? C'était pute, tu me fais tasse deux fois à cause de toi. Eh oui, mais fallait être plus vif aussi. Mais je voyais pas, j'étais. Je sais pas. Viens, on se pète. Viens, on parle. Là-bas, il y avait l'orange qui venait. Ils sont là à droite, là, je crois. Ils sont partis vers là. Et là, on doit revenir dormir là. Ouais. Mais en fait, mais putain, c'est l'apocalypse. Putain, ouais, je sous-estime. Pour moi, il y avait rien. Lui, on va le baisser, ça. Non, attends. Moi je te dis, viens, on trouve les pillards, on leur baisse leur mère. Ah, parce qu'il y a des pillards dehors ? Ouais. T'as rien écouté ? Mais toi aussi t'as rien écouté, arrête de mentir. Mais moi j'ai entendu ça, quoi, j'ai pas rien écouté, j'ai écouté un peu quelques trucs. Mais je reconnais même pas là où on est, mon frère. Là on est Sandy Shore. C'est Jordan, ça. Ça, c'est Jordan, ouais. Ouais, les gars. Comme ça, c'est la relabre, mon pote. Ouais. C'est quoi les bails, du coup, là? C'est quoi le programme? Gros, on va faire de l'argent. Là, on va commencer à s'occuper des gens. On va les ramener dans un coin. Viens, on cherche une job, déjà, viens. Eh, nique ta grand-mère, Jordan. Ne crois pas, c'est l'apocalypse. T'es quelqu'un, t'es toujours une petite pute. Ah, mais toi, je t'enculer. Non, t'es toujours une petite pute. Toi aussi, t'es une petite pute. C'est toi la plus grosse salope ici. Tiens ça. T'es une petite ma mère, hein. Touchez pas Jordan. Aïe. Tiens. Enfoiré, bon.
Oh. Il laisse me toucher. Aïe, tiens, tiens, Jordan. Reprends ça dans ta mère, toi. Reprends ça dans ta mère. Aïe, allume-le. Les quatre. Les quatre, je vous allume, mon fils de pute. Coupe la tête. Aïe. Viens ici, toi, viens ici. Oh, tiens, reste au sol. Laisse-moi me réveiller, je vais tous vous taper. Aïe. Je rigole, mon gars, c'est la bagarre. Il s'appile. Voilà. Au sol, c'est bien, au sol. Aïe, à Chamberlain Street, toi, t'as dit, mon pote, reste au sol. Chamberlain Street. Ah, va l'enculer, va l'enculer. Ouais, j'ai mon pote américain, mais je voulais pas le sentir. Non, ça va, ça va, ça va. Il me l'aurait volé sinon. Putain, Nick Zappi, on doit faire quoi alors? Attends, mais t'étais caché dans le buisson, fils de pute? Non, ils m'ont baisé. Toi aussi, ils t'ont baisé? Ouais. Mais pourquoi y'a des gens dehors, ils ont des gauvres et tout? Je sais pas. Mais ils sont où les. Oh, y'a un vélo, y'a une moto. Attends, attends, faut vraiment pas qu'on se rate. Vas-y, nique. Laisse-moi faire. Attends. Let's go! Monte! Oh là là! Oh là 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 là! Tu sais qu'on a une passade de fou là! Allez, ciao les fils de pute! Les fils oh de pute! Baise, bande de merde! Ok, on va où maintenant? Bah, je sais pas. Oh, une voiture. Ah, mais c'est Soso! Go. Oh, vous allez faire quoi? Ah non, c'est Abir! Ah merde! On va les piller! Il est où Derba? Quoi? Il est où Derba? Il s'est endormi là, il s'est endormi derrière toi. Ouais, il s'est endormi. C'est bizarre. Okay, okay. Ça va quoi? Ouais, ça va. C'est qui là? Mais c'est moi, fils de pute, t'allais me voler ma bécane. Ouais, je voulais te la voler. Oh, vous allez. Mais c'est quoi? Vous étiez là hier? Non. Ouais, non. Ah, on est là? Pas tous. Ouais, on était là, on était là. Du coup, c'est comment? Comment ça se passe? Crash. Je vais serrer, frère. Ouais. Du coup, ça se passe comment? C'est quoi les bails? Parce que moi, je connais bah, rien en gros, du tout. Là, tu vis comme si tout allait bien, sauf que t'as pas le droit d'aller en dessous de Sandy Shore. Donc on a plus les armes, on a plus les locaux. Oh merde. Ah, Thomas. Voilà. Donc tu vis normal sur Sandy Shore et Paleto. Nous on a des locaux à Paleto, donc on va les récupérer ce qu'on peut et je sais pas, après on va trouver un motel dans le nord. Hein. J'ai déjà mon hôtel dans le nord. Mais non, mais il faut pas que tu reviennes à la caserne. Hein, bon. Non, là ça y est, c'est fini. Oh, là, mais Ayoub, bah, oh, il a ramené son gang, Ayoub. En gros, il y en a qui ont le droit de rester. Il y en a 15 qui ont été choisis pour continuer à faire la guerre. Attends, parce que moi, ils veulent me voler ma bécane. Attends, ils veulent drone de voiture. Yo. Eh, restez en chien, les fils de pute. Voilà, marchez, bande de fils de pute. Allez, cours. Ouais. Oh petit fils de pute, tu veux une moto? Tiens, je te la passe. Tiens, nique tes grands morts. C'était prévisible quand même. Oh, en gros, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vie normale, mais on peut pas aller dans le sud, en gros. Tu vois comment? Ça, je pense que ça aurait été mieux, on serait parti en militaire, on aurait foutu le gars dedans. Ah, mais c'est eux encore. Mais ouais, vous avez une voiture de fou, vous l'avez où? Bah, on a un entrepôt ici. Mais nique ta mère, sérieux, il est trop con ce mec, frère. Prévu, nous. Mais wesh. Et quoi, vous avez un entrepôt, il y a des armes dedans? Bah, je te demande d'aller vérifier, mais je suis pas sûr. Mais on peut pas prendre un avion et aller sur Caillou, là? Ça se voit, c'est la belle vie là-bas. Sinon, parce que si jamais on peut faire ça, on va à la ferme de papa, il a un fusil à pompe. Hein. Ouais, bon, on va te faire niquer. Eux, c'est des voitures, toi, c'est des armes. Mais c'est tout ce qu'on a là. Ouais, mais eux, ils cherchent des armes aussi, s'ils en avaient, ils en auraient pris. On a rien. Il y a de la bière si vous voulez. Il y a de la bière et une question. On va chercher le pompon au daron? Non. Dis-moi pas, tu vas vraiment chercher ton pompe. Mais je te jure, je cherchais le pompe. Mais je te jure qu'il a. Ma mère, il en a pas. Mais la vie de ma mère, il a un pompe, papa. Mais tu te rappelles pas quand il l'a acheté? Non, je me rappelle pas quand il l'a acheté. Ah bah. Eh, je sais pas où il est. T'es où Derba? T'arrives pas à rentrer? Non, il est pas là, il est pas là. Il est où? Je sais pas, il doit être dehors. Oh, mais t'es sûr il a pas de pompe? Mais si, viens, il a un pompe. Écoute, il en a un, mais c'est galère à trouver. Viens, on se balade, on essaie de trouver, mais sinon, parce qu'en fait, rappelle-toi, il était au-dessus dans le grenier, faut tout casser. Il est là-bas, non, il est dans le. Si on trouve pas, vas-y, viens chercher ton pompe. Mais je pense qu'on peut se débrouiller sans. Mais tu sais que je kifferais être dans ta situation, vraiment. Comment ça?
où j'ai pas regardé Gomorra, genre je kifferais. La vie de ma mère, c'était une série. T'es sûr? Parce que. Attends, parce qu'il est juste là, en haut là. Où? À côté du truc à bière. Hein. De quoi, le pompe? Ouais. Je sais pas, c'est toi, avec ta mère, que je. Je veux me mettre dans ta merde. Non, et pourquoi dans ta merde? Moi, je me serais baladé, j'aurais essayé de me débrouiller tout seul. Comme t'as dit, t'es créatif, non? Mais on va pas aller. Bah oui, c'est la création là que je fais. Ah ouais, bah vas-y. Bah, en haut, il y avait aussi des gilets pare-balles et de la coke pour les pare-balles aussi. Non, mais viens, on se balade, on trouve. Sinon, on vient le chercher, mais je pense qu'on peut trouver. On va trouver quoi? On n'a pas d'armes, viens, on raquette les gens, frère. On va leur prendre quoi, ces merdeux là? Je sais pas, les clés de leur voiture et tout, frère. On fait de la revente de voiture, t'as vu, on leur vole leur voiture et on va voir des mecs qui sont à pied, on leur dit ouais, on vous la vend. Retourne, on va voir le président, non, la visite. De Caillon? Ouais. Viens, je prends le pompe. Regarde, on fait un perfet ciseau. Vas-y, prends-le. Viens, on fait un perfet ciseau. T'as envie de le prendre, prends-le. Voilà. Vas-y, perfet ciseau. Perfet ciseau, vas-y. Quand tu veux. 1, 2, 3. Ok, on recommence. 2, 3. Nique ta mère, wesh! 1, 2, 3. Ah, merde, j'avais refait ciseaux. Putain. Je te casse, mais bon, vas-y, viens, recommence, vas-y. Mais pourquoi? T'as envie de le prendre aussi? Non, mais allez, je vais chercher nique sa mère. Zama, t'es pas hype là? Le fusil du daron! Putain. Par contre, j'ai pas beaucoup dégâts de balles, hein. J'en ai trouvé qu'une quinzaine là. Ça suffit. Ouais. Mais là, on va lui. Putain. C'est parti. Il faut qu'on le remette après, hein. Sinon, on est mort, hein. Il va pas savoir que c'est nous, non? De toute façon, il doit être dans le bunker là, normalement. Non, tu le connais pas, frère. Ça se voit, il a dû rester ici. Non, il est dans le bunker là. Je pense là, en dessous, il y a un bunker. La vie de ma mère. Il a un truc anti-atomique à lui. Il est dans le futur, lui. Mais il a construit la ferme sur le bunker. Après, on est pas obligé de le sortir, tu vois. On peut le faire, mais je le garde en cas d'extrême urgence. Ouais, vas-y, bref, viens, on va voir et on voit. Arrête de justifier, tu l'as pris, voilà. T'essayes de te rattraper, non, t'as pris, voilà. Attends, c'est lequel, c'est lui? Ah ouais. Oui, c'est vous le boss. Oui, quoi? Oui, ça va, dites-moi. Mais on voudrait savoir, parce que bon, hier on n'est pas sorti du bunker et on voulait savoir, vous nous donnez peut-être quelques petits tips. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait aller? Écoutez, on est perdu, totalement perdu. Vous êtes perdu, vous pouvez aller à Paletto, il y a des bars. Ensuite, vous essayez de réunir des civils, je sais pas, et vous essayez de monter un petit groupe de personnes qui veulent survivre, peut-être non, contre les pilleurs. Parce qu'il y a des pilleurs qui tournent en ville. Ah, servez à quelque chose pour votre pays, je sais pas moi. On traque les pilleurs. Quoi d'autre. Traquez les pilleurs, oui, mais faites attention. Vous, avec les militaires, vous allez faire quoi? On va explorer le sud, traquer les pilleurs, et on va escorter les EMS, et on va faire les prévisions. Vous voulez les rejoindre? C'est maintenant ou jamais. Non merci, hein, c'est bon. T'es sûr? Quoi, ça risque de partir en couille avec eux? Bah oui, puisque oui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le sud? C'est comme vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, viens, on le fait, non? Vas-y, viens, on le fait. On arrive, on vient, on est militaire. À vos ordres. Vito. Attendez, il y a deux nouveaux arrivages. Venez, allez, courir. T'as dit quoi? Sa grand-mère. Quoi? Et bon, vas-y, viens, on va voir militaire. Oh, ça donne quoi? Ouais, je crois que j'ai encore des tenues, oui. Ah oui, vous avez. On en a une sinon, hein. J'en ai une, moi. Vous avez des tenues, mais mettez vos tenues, alors. J'ai celle-là, ouais. Ah oui, c'est parfait, c'est bon. Vous aussi. Repensez bien, n'hésitez pas à avoir vos masques à gaz aussi. Ouais. Et on peut avoir des armes? Ça, il faut voir avec le colonel, hein. D'accord. Je me sers? Vous me donnez? Tenez.
Merci chef. Attendez, je vous donne des boîtes. Tenez. Merci chef. Allez dans un véhicule. Il ne va pas nous rendre un autre véhicule, mon colonel. Ah oui. Les autres sont tous pleins. Oh merde. Éloignez-vous. Bon, je m'éloigne. Prenez-la. Merci. Très bien. C'est bon. Je vais aller le chercher un véhicule. J'arrive. On attend encore Amadeus et on va voir. Le colonel va nous chercher un véhicule pour les deux messieurs là. D'accord. Écoutez, pendant je fais le récap, partir. Et pourquoi il y a un gosse avec nous? Pas, on va la guerre. On va le niquer, je crois. Avec quoi? Des produits désaffectés, va nous donner des provisions, d'accord? Donc, la première mission est celle-ci, on va aller les chercher, d'accord? Ah, t'es foncé dans les jambes. De fou, hein? Pardon. Et votre masque, là, il a quoi? C'est quoi la radio, chef? C'est un masque de bonhomme. Mais il est pas fonctionnel. Bah, si. Vous en voyez un? Non, non, je l'ai, mais moi, je préfère celui-là. Okay. T'as même pas de masque, toi? Si, si, j'en ai un. Non, menteur. T'as des lunettes. Tu mens. Le gosse ici, il a pas un fils de pute. Moi, j'ai un masque, j'ai un masque, il va nous tuer. Non, t'as un casque, toi. Vous avez tué combien de Russes aujourd'hui? Allez, montez tous dans le véhicule et démarrez. Je ne veux plus vous voir. Non, 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 il arrive. Vas-y, c'est quoi? C'est quoi, Derba, toi, tu gardes la radio et moi, je la coupe. Vas-y, t'es un bon. Mon père, c'est le sergent. C'est vrai qu'il parle trop, hein. Allez, tout le monde y va! J'ai dit on y va, c'est tout! Je vous le rapporterai. T'as... Allez, gardez la, les cartes. La... Moi, je vais la couper la radio, moi. T'es chaud, tu la gardes et tu me dis ce que je dois faire? Moi, elle est allumée la radio, j'entends. Comment tu t'appelles, toi? Raphaël! Ah oui, t'es le petit fils de pute. Ouais, mais ma mère, elle est morte. Oui, oui, donc c'est bien. Je suis plus un fils de pute. Bah, si, ça annule pas. Ah merde, je croyais que ça annulait moi. Eh ben Raphaël, toi. Je l'ai tué pour rien. C'est toi qui as tué ta mère? Non. Mais ta. Mais attends, mais ta mère c'était pas la flic là? Je comprends plus rien. La flic? Attends, c'est qui ta mère? Non, c'était pas la flic, c'était Raven. Raven? Ouais, c'était la prostituée. Raven la prostituée? Raven la prostituée. C'est comment à l'essence? Je connais pas Raven la prostituée. Elle travaillait où? Unicorne. Et tu l'as tué? Un peu au bar de mon père aussi. T'as buté ta mère? Mais non! Qui c'est qui a dit ça? Mais toi, tu m'as dit je l'ai tué pour rien! Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Ok, Rafi. Faut que je baisse le son de la radio, ils gueulent comme des trous. Hein, ouais, mais oublie pas, il faut que t'écoutes. Il faut que t'écoutes pour me donner les infos à moi. Ouais, j'écoute, mais moins fort. Ok. Ce colonel il hurle. Tu le pines? De ouf. Mais t'as quel âge toi? T'as quel âge? 14. Mais t'as 14 ans depuis 23 ans, frérot. De quoi? Ça fait 23 ans que t'as 14 ans. Ben non. Ça fait 7 mois. 7 mois que t'as 14 ans? T'es info, Casper? Attends, moi j'ai pas besoin de mettre de l'essence moi. Mais non, mais en gros, t'as pas vu dans le journal? Il y a des pilleurs qui débarquent à foison. Mais qui lit le journal? On les a fumés hier. Tout le monde. Ça? Des pilleurs, ils étaient retranchés dans le... Tu lis le journal, toi, Rafi? Non, je lis pas le journal. Ok. Tu sais lire? On voit bien les yeux, hein. On voit bien les camions. Fils de pute, vous savez, mon quotidien. Moi, je lisais Boulet Bill. C'est pas grave, c'est bon. Moi, je lisais Mickey, Picsou, tout ça. Un bandeur de cité, t'as vu? Je te l'ai dit. C'est un peu la cadence pour les cas. C'est quoi le rapport? Mickey, tout ça, c'était lourd. Je lisais à la mort, attends, est-ce que je suis pas en God Mode, là? Putain. Et après... Pourquoi je suis pas en God Mode? Arrêtez-vous, barrage. Laissez-moi barrage. Cassez-vous derrière les voitures. Cachez-vous derrière les camions. Ah, on fait face à des pilleurs, ils veulent notre nourriture. Sur le pont. Défendez-vous, dépêchez-vous. Il y en a sur la montagne à droite, regardez bien. Ça va, Bader? Monsieur Brown. Bien, Mathieu, vous inquiétez pas, on est en train de les détruire. Un homme abattu. Un homme abattu. Au moins 5 personnes, faites attention à vous.
Abattu. Droite sur la droite, dégage sur la droite. Attention sur la droite du pont. Abattu, abattu. Abattu, droite. Ah, j'ai mal. Je suis sur la colline, droite. On va prendre faire le tour à votre droite, nous, sur la colline. Merci. Je vois personne en fait là. Sur les hommes à droite. Je suis de tir, je suis de tir. D'accord. Restez à couvert. 3-4 individus sur le pont. Et wesh, il strafe. C'est plus de balles, c'est plus de balles. C'est balle aussi. Hein. Il en reste un là, il en reste un. Bon chef. Ça va, ça va. On va pas, on en a pas tout, hein. Sauvez vos collègues, il y a des blessés. Des blessés ou pas? Attention, tirez pas à droite du pont, c'est des alliés. Je suis sur le pont, j'avance. Venez sur le pont, ils sont en train de reculer. C'est pas trop, si vous avez pas de recours. Mais c'est moi sur le pont, bande de fils de pute, arrêtez! Il y a des personnes qui continuent de vérifier les camions. Sa mère, cavalier. Non! Il a des blessés, il est complètement fou, saute du pont, lui, nommé. Ah, mais j'ai pas fait exprès! Les blessés rapatriés, les urgences, n'oubliez pas nos camions! Surveillez les camions, surveillez les camions. Y'a pas, tu lèves les mains, fils de pute, tu me tirais dessus à moi! Côté ouest, chef. Côté ouest, chef. Deux gars côté ouest, chef. La route. Et maintenant. Et on va prendre les camions là. C'est trop loin pour la colline pour en faire les. Montez là. Mais allez, on retourne dans les camions. Pour partir. On peut monter tous ensemble, restez groupés. Véhicule respectif. Faut des tirs de couverture et on y va. Montez tous, revenez tous. Reprenez les montagnes ouest, un tir aussi. Il y a plusieurs hackers là, il manque du monde dans mon camion. Allez, montez vous aussi vite. Mais attends, en face les fils de pute là, en face. Mais ne tirez pas sur la police, c'est la police. Ils m'ont allumé, c'est eux, ils m'ont tiré dessus, c'est des traîtres. Police, c'est la police. Bande de fils de pute. Ah, ne tirez pas, établissez une communication. Ah. Ça tire où? Je fais le mort. Je fais le semblant. Sur le pont, il y a encore des pillards. Encore, hein. Mais je crois que c'est derrière. Montez dans les camions. Je fais le semblant. Camion. Non, je fais semblant. Mettez la tête dans les véhicules. Remontez, laissez le LSPD nous couvrir et on continue la mission. Eh bien, on se barre, nous on les couvre. Quoi? On doit monter. On va démarrer le camion. On va démarrer. Il faut mettre les camions en bunker en toute urgence. Montez, on repart, les gars. Mettez les têtes dans les voitures. Les fils de pute, les flics, ils m'ont niqué ma vie! Ces fils de pute là, ils m'ont baissé les flics! Le problème, c'est que c'est pas la colonne de cops, tiens. De loin. Prenez le sergent derrière là. Je vais tous vous tuer! Ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule, fils de pute! Waouh, la rue! Ils m'ont crevé un pneu, frère! Les camions, vous nous suivez? T'es mort? Attendez. Non. On va se faire baiser, hein. Ils sont encore en haut. Hein. Bon, on a le deuxième camion, les gars. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ok, on peut repartir. Pensez bien à mettre 3 voitures devant, 3 voitures derrière. Hein. Pardon, chef. On va faire le rideau là. J'ai un pneu crevé, moi. À droite dans la montagne. Faites attention. On va le tirer dessus encore. Allez, on va dans le tunnel, on va le perdre. Allez, on est pas dans les tunnels, allez. Faut pas s'arrêter. Y'a un contresens, attention! Les amis, j'ai un pneu crevé! Je m'occupe de ça après. Okay.
Ah mais j'aime pas, on est en front line là. Allez, le premier, on va front line. Allez. On est au front. Le premier, ouais. le plus crevé, chef. Pourquoi tu dis pas juste on est au front? C'est quoi cette... cette mentalité de bandeur de Londres. Putain, si, mais là, ça, il y a des mots, ça le dit en anglais, mais enfin, c'est plus court dans notre langue. Ouais, parce qu'en frontline, c'est un mot du lexique de League of Legends, j'aime bien. On va aller à la Fermonie, c'est l'endroit. J'aime bien jouer à LoL. On va rapatrier les. T'aimes pas jouer à LoL, toi? La nourriture, allez, Fermonie. J'aime bien LoL. Oui, pour rigoler. T'aimes pas y jouer parce que t'es nul. Reçu, on y est presque, je sais que c'est bien parce que c'est un der stratégique et tout, mais c'est casse-couille. C'est trop long à apprendre. On fera une heure pour rassembler les blessés et faire les premiers soins. Ça a plus très l'air politique, hein. Eh, hey, derrière, tu me retapes dans le cul, je te dis que ta mère. Je te tape même pas, avance un peu. Parle pas avec la moi. Petite pute. Avance, avance. Oh, tu quoi mets un coup de sauce. Attends, oh, t'as dit avance. Tu m'as dit quoi? Je suis pas là pour allumer la mèche, mais ça m'a. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit avance. Sinon quoi? Bah, sinon le colonel il va te niquer ta mère. Et toi, tu vas faire quoi toi? Hein? Et toi, tu vas faire quoi toi? Bah, là, vu qu'on est tous ensemble, je te fais rien, mais après, quand tout ça c'est fini, on en reparlera. Vas-y, c'est bon, on en reparlera, petit fils de pute. Non, personne, chef. Non, on m'a dit que ça se tape. Mais non, personne, chef, personne. Mais non, chef, t'inquiète pas. Oui, c'était chaud. Très bien, déchargez-moi ça. Lui, je lui baisse sa mère avec ses cheveux bleus, tu vois. Rien à faire, tu vois. Prenez des cartons, on mettez-le à l'intérieur. Ouais. J'ai envie de tout enculer. Ah, pardon. Oui. Ça va, c'est rien, mon gars. Faut décharger. Non, en vrai, viens, regarde. Viens voir. Parce que, en vrai, là, actuellement, on a d'autres problèmes que de se faire la guerre entre nous. On est d'accord. Tu vois, donc viens, on va faire un petit tête dans les règles, toi et moi, et après on arrête. On fait quoi? On va discuter dans les règles? Ouais, on va discuter dans les règles, toi et moi. Vas-y. Tu veux qu'on se mette tout? Non, mais viens, on va plus loin. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Comme ça, c'est réglé. Y a et, au moins, derrière, il n'y a plus de problème. Au moins, il n'y a plus de trucs. Viens, on va derrière la barrière à droite là-bas. Vas-y, carré. Ta grand-mère. C'est bon. C'est pas toi qui joue là. Online. Putain, mais dis. Allez. Ça. À vous. Je dois donner quoi? Non, vous devez rien. C'est bon, moi j'en ai. C'est bon, j'ai. J'en ai, ouais, on en a un chef, merci, c'est bon. Vous en avez parfait. Donnez-moi monsieur. Sergent, j'ai pas de munitions. Dakota, bien joué. De quoi? GG. Bien joué tout le monde, GG. GG. J'ai pas compris. Dakota! Tenez. J'ai pas la ref. GG. Parfait, non mais attendez, c'est parfait. Quoi? Tenez, prenez-moi ça. Habillez-vous, allez. T'es ça là? Suivant, tenez, habillez-vous. T'es ça là? Mais j'ai pas écouté. Tenez, voilà. Habillez-vous. Y'a quoi? Suivant, tenez, y'a quoi ici là? Y'a quoi? Eh, ta série préférée, Dakota, c'est quoi? Putain, mais tout le monde parle de série ou c'est comment là? Réponds, ferme ta gueule. Breaking Bad, t'aimes bien? T'aimes bien Breaking Bad? Breaking Bad, c'est la meilleure. Merci, voilà! Tu me régales! Comment ça, la suceuse? Comment ça, meilleure série? Je pensais aller m'insulter. Attends, il donne des tenues de protection. Voilà, d'accord! Mais Dakota, wesh, tu me régales trop! Allez, mettez-vous en ligne! Mettez-vous en ligne! Des tenues de protection nucléaire. Protection en ligne. Suivant. Merci. Suivant. Qu'est-ce que l'autre connard il me colle derrière? Suivant. Fait, Suivant. Merci. Suivant. Suivant. Non, c'est mon. Suivant. Merci, chef. Suivant. Ouais, du coup, il y a des petits canards. Nickel. Habillez-vous tous, s'il vous plaît. Venez, regroupez-vous. Venez. Tenez le moi aussi. Pourquoi il y a l'US Air Force? Ah oui, tenez-vous aussi. Oui. Oui, si j'ai pas. Il m'en faut une aussi. Faut voir en vert, oui. T'en faut une aussi? Oui. Bah, où seraient les tests. Derba, t'es où? C'est là. Je serai le attends, faut qu'on mette un truc pour se reconnaître. Écoutez, monsieur Vito, mettez tout le monde en ligne ici. Allez, mettez tout le monde dans les véhicules en fait. Tout le monde dans les véhicules. Ah, tout le monde dans les véhicules. Allez, tout le monde dans ces véhicules. Abandonnez les camions. On laisse les camions. Prenez tous des véhicules. Tu conduiras. Vas-y. Non, non, dégage. Ah, j'ai pas le droit de m'amuser. Merde. Dans le véhicule là.
Tenez. N'hésitez pas à se dire quand vous avez encore des places. Tenez, allez dans le véhicule, allez, allez. Mais je sais conduire, hein. C'est vrai? Ouais. C'est bien, force à toi. Allez, avancez, repréparez-vous. Ça peut monter un jour, hein. Attends, mais parce que. J'ai trop bien conduire ça. C'est le meilleur truc pour être reconnaissable. T'as vu, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai remis mes TN. Enfin, mes Air Max. Mais ouais, non, mes TN. Non, c'est des TN. Non, vous avez pas des casquettes comme ça, on se reconnaît. Enfin, moi j'ai mes cheveux, mais vous, j'avoue que. J'ai mis mes TN, moi, ok. Attends. Oui, habillez-vous. Très bien. Ici, c'est bon. Très bien. Ici. Eh, le petit, il est pas habillé? Si, je suis habillé. Non, non, le petit, il est pas habillé. Je suis habillé. Non. Mmh, bonne chance, monsieur. Je suis habillé. Non, t'es pas habillé. Écoutez-moi tous. Tu peux arrêter de mentir, s'il te plaît? Allumez votre radio, très non, c'est pas vrai, t'as un haut un peu rouge. J'ai un haut habillé. Non, t'as pas de masque. Très bien. Si, j'ai un masque. Alors, Derba, il a pas de masque, ce petit. Écoutez-moi bien et écoutez les conseils de sécurité, d'accord? Les gars, j'ai un peu de coque, sûrement vous en voulez. On est tous habillés avec une tenue anti-radioactivité, d'accord? T'as tenu? On en a pour 10 minutes. Pourquoi il a le seum, ce mec? 15 minutes avant que la radioactivité pénètre le. C'est quoi ta série préférée, toi, Derba? Gomorra. C'est votre histoire, votre tour est sombre. Oui, d'accord. Bon, du précisément coup, je te possible, jure, d'accord. Suivez monsieur Brown. Genre, votre histoire, elle est vraiment incroyable. Insupportable. Avec une autre meuf, ouais. En fait, ouais, mais c'est. Mais en fait, mais faut que tu. Dire. T'es dans un couple. Faut savoir. Je spawn. Comment dire? En god mode. Prendre sur soi, tu vois ce que je veux dire? Faites un effort et tapez pas les voitures. Sinon, il y aura tout. Enfin, vous. Non, mais moi aussi, je vais aller canne avec des meufs et des mecs et je vais. Non, t'as pas le droit. Ben non, t'as pas le droit. Bah t'as vu, j'ai pas le droit. Ben vas-y, mais canne avec le président de Caio Perico. Mais voilà, c'était pas lesbienne. Bah ouais, toi tu. Si, je suis lesbienne. Bah. Ah voilà, c'est. Non, t'es bi, Ouais, ouais. Ouais. Ah, comme moi. Ah ouais. Ouais. Comme papa. Mais fini. Je suis pas grand du daron. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Quoi? Vraiment. Ah ouais? Ouais, je te jure. Arrête. C'est qui votre daron? T'inquiète. Non, pour de vrai? Ouais, je te jure. Il y a une prise d'otage. Il avait un crush. Hôpital Paléto. C'était qui? C'était Tonton Bachir. Ah. Putain. Il y a la police aussi. Écoutez, on arrive après. Faites la police, on arrive après, d'accord? Putain. T'es dégueu. Bah non. Bah moi, vu que je suis pareil, c'est-à-dire que je tiens ça de lui. Ouais, je pense, ouais. Raphaël. Ouais. Nique ta mère. Ouh, Rafa, qu'est-ce qu'il me raconte? Il t'arrête, Rafa? Le bruit avant de perdre tes droits, c'est bien. Quoi? Le gang. Quoi? Quoi? Il t'a dit quoi? J'aurais pas dû le lire avant. Oh, attends, lis à moi quand même, lis à moi quand même. Je suis rien de ce point. En fait, il m'a envoyé un message. Je l'ai embrouillé comme toi, tu m'as embrouillé quand je t'avais un message. J'ai prévenu puisque j'ai tourné. Ouais. Ah bah ça va. Il t'a dit quoi? Oui. Il m'a dit ça, cette phrase. Je sais pas, il est fou, il est bourré, je crois. C'est celui qui suit pas les instructions, qui se sépare du groupe, d'accord? Eh, j'ai rien compris, j'ai même pas compris ce que je lui ai envoyé comme message. Il message, mais il y avait pas de réseau, il y avait pas d'antenne. Ouais. Et qui? Et un mec, Rafa. Et moi, je l'ai embrouillé. Ouais. Rafa, il me doit 55 000 $. Comme ta gueule, toi. Tu vois, il y a pas de réseau. T'es. Tu dois le savoir. T'es staff, il a dit? Non, c'est moi, je lui ai dit ça. Ah. Parce qu'il m'a envoyé un message et alors qu'il y avait pas d'antenne. Ah oui, d'accord. On est sur Discord là ou c'est comment là? Vous abusez. Donc ta gueule, nous on est staff, on fait ce qu'on veut. Restez à votre personnage vous. Bah mais et du coup un peu ta voiture là qu'on aille plus vite. Et du coup Derba? Enfin j'ai pris 3 jours pour ça. Ouais mais t'es pas staff frérot, reste en chien. Ok ça marche. Et Raphaël? Ouais. Sur le côté. T'en prends, j'ai dit ouais. La vie toi en fait. Je suis rappeur. Vas-y rap. T'as 12 ans, tu veux qu'il fasse quoi? Là j'ai répondu à Gradubid, il m'a clashé ce fils de pute. Ouais, faut que je trouve une chaîne fille pour lui faire étranger pendant le sommeil. Je vais le réveiller avec. Sorti diplômé. Je trouve pas de chaîne fille. Là il nous brille parce qu'on va faire au sud là. Personne ne bouge sa tenue, personne ne sort de choses de sa poche, d'accord? Tout le monde reste calme. Vous respirez normalement, d'accord? Et pas de tracas. On ramasse rien là-bas. Oui, vous prenez rien. Je suis mort de rire. Là, je lui ai dit, mon frère est prince. Et vu qu'il est marié avec l'autre,
Harry m'a dit non, il faut qu'il m'encule d'abord. Mais quel rapport avec lui? Je suis prince parce que je suis marié tu avec la princesse. Pas, il est en dépression, tu, il est en mode de, vas-y, enculez-moi, baisez-moi. Attends, je vais l'appeler. Je vais le chauffer un peu. Je vais, j'arrive là, tu sais, parce que j'arrive. J'arrive, prépare mon arrivée. Allô. Papier rouge, tout ça. Ouais, Rafa, ça va? Je veux du raisin. Ouais, ça va, ça va. Attends. Attends. Putain, la radio, il me casse les couilles. Ouais, je te dis. Oula. Oula. Wesh. Oh, Rafa, je te disais, parce que je viens de finir de Ken avec la princesse là. Et elle m'a dit qu'Ayo Perico, ça lui manquait un petit peu. Donc on va passer faire une petite visite de courtoisie étant donné que je suis le prince maintenant, d'accord? Donc j'aimerais bien que vous m'accueilliez bien cette fois. Ouais, mais je veux des Diabolo Kiwi à foison quand j'arrive, d'accord? Malheureusement, ça a tout pris. Il y a eu le, la radioactivité, seigneur. Ah mais vous avez pas mal là. Attends, je suis en train de mourir. Je meurs. Je meurs. Mettez votre tenue, mettez votre tenue. Demi-tour, mais on l'a. Mais on l'a, tenue. Mettez votre tenue. Faites-moi confiance. Remettez-les. Je vous rassure, mon maître. Remettez-la bien. Ça m'a fait la même, je l'ai remise, c'est bon. Les gars, je vais mourir, je crois. Je vous aime, mes frères. Ah oui, c'est bon. Refermez bien votre combinaison quand vous rentrez dans le gaz. Je répète, refermez bien votre combinaison quand vous rentrez dans le gaz. Ils sont où? Non, mais c'est pas bon. Attends, ils sont où? Je les ai perdus, je les ai perdus. Vous êtes où? Bah en fait, moi c'est bon quand je l'ai pas. Ils ont continué tout droit ou derrière? Oui, moi aussi, ça va. Non, bah, attends, c'est pas bon quand je l'ai. Moi aussi, la même, c'est bon quand je l'ai pas. Ouais, moi aussi. Bon, tant pis. C'est parce que vous avez mal fermé, peut-être. Oh, on est stylé comme ça. Ouais. Remettez le masque, remettez le masque. Et t'as dit quoi? Ah oui. Il m'a dit, ouais, faudra que tu m'encules d'abord. Venez les gars, on s'enfuit. On s'enfuit. Vous voulez qu'on vienne pilleur? Mettre le... Le bon, c'est nickel. S'il vous plaît, je vous ai perdu. Bah, c'est le même que celui de la tue. Allez, je vous ai perdu, pitié. Si on s'enfuit, comment on fait pour survivre? Non, attends, j'ai repris. Arrêtez d'harceler la radio, vous m'insupportez. J'ai perdu le convoi, s'il vous plaît. Ils ont pris. J'ai noté ça, hein. Où est le convoi, pitié? Devant la prison fédérale. Ah, d'accord, moi je suis. Oui, je suis bien devant, d'accord, ok. Dakota. Pourquoi tu veux savoir ce qu'il daron toi? Mais non, mais en vrai vous êtes... Tu le verras quand on va se marier. Je crois savoir parce que t'as vu le jour où tu vas vraiment savoir qui on est. Je sais pas, ouais, non mais dites-moi qui c'est. Tu vas... Tu vois le mec qui a perdu son XADV? Son quoi? Non, rien, c'était une petite ref un peu compliquée. Je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Putain, mais tu fais des refs que... Putain, mais on est vraiment pareil. T'es trop ma besta, Dakota. Mais la vie, mais tu l'as la Epsilon. Elle s'est fait voler sa moto. Non. Quoi? T'as pas vu? Ah si, j'ai vu. L'imam? Ah l'imam de... Oui, ok, c'est bon, je l'ai, c'est bon, oui. Ouais, j'ai vu voilà. Aussi. Putain, on l'avait pas tourné ensemble et on l'avait ensemble. T'es ensemble. T'es vraiment trop ma besta. Bah ouais, best for life. T'es ma BFF. C'est ça. Serre-moi le petit doigt, tiens, mon petit doigt. Serre-moi mon petit doigt. Ah là, tu me régales. Remettez ta tenue. Ouais, mais là ça va faire pareil. Mettez votre tenue. Non, là c'est bon là ici. Non, et après réajustez votre masque. Et je rajoute mon masque. Chef. Oui, mettez votre tenue et réajustez votre masque. Colonel, vous avez pas des fioles d'iode contre la radio? Oui, oui. J'ai des pastilles d'iode, tenez. Allez, tout le monde respire un bon coup d'air, d'accord? On remet bien les tenues et les masques correctement. Et on va y tu veux savoir c'est qui leur père? Parce que comme ça, si les princes et tout marient avec leur père, t'es reine. Parce que t'as dit quoi, Raph? Ferme ta gueule, Raphaël, monte. Putain, tu me fais chier. Tu pilotes? Non, non, trou. Fermez bien les tirettes. Je suis en train de matricer Rafa. Tu dis quoi? Tu lui fais croire qu'il est prêt à livrer la princesse. Ça va être quoi la chute? Nique ta mère? Non, je joue avec ses sentiments, ça me fait rire. Vas-y, ça fait quoi? T'as dit quoi, Raf, du coup? Rien, rien. Vas-y, monte. Fermez ma gueule, alors. Tout le monde est ready.
Mais non, mais dis-moi. C'est bon, c'est moi. Tu sais que t'es comme mon enfant, Raph. Ah bon? Non. Prenez des pastilles d'iode, tenez. Tu veux de la coque? Pas bien. Voilà. J'en ai pas, mais j'ai de la coque. Histoire qu'on aille vraiment bien, quoi. T'en laisse pas la coque. La coque, je la consomme pas, je la vends. Bah ouais, mais bon, là, tu vends de la coque, toi? Ouais. Tu l'achètes à qui? À Stekas. Ok. Bah j'ai perdu le contact étrangement. Je pense qu'ils sont tous morts. Mais les gars, vous croyez qu'on va... Qu'on va quoi? Allez-y, vous conduisez. Tout ça, non? Tout le monde a pris les pastilles. Firmati. Très bien, l'ours, oui. Merci de votre réponse. Mais en fait... J'ai rien compris. T'as dit le début de la phrase et la fin de la phrase, il manque le milieu. Ah ouais, mais attends, mais je... J'ai dit, vous pensez qu'on va revenir à la vie normale? Ouais, ouais, je pense, on reviendra à la vie normale, hein. Ça te manque quand moi, on... Je pense pas. Quand je te rejoignais dans ton appartement en secret de la nuit? Ouais, un peu, ouais. Ok, ok. T'es un bon. Mais là, je sens qu'on va mourir encore. Mais oui, mais c'est sûr. Ah, là, c'est bon. Très bien, mon appareil signale une forte radioactivité. Est-ce que tout va bien pour vous? Oui, tout va bien. Hashtag analyse. Très bien. Ouais. Ceux qui vont mal, je vous laisse repartir derrière et vous signaler. Ah là, je vais mal là. Voilà, essayez de suivre le convoi. Ouais, j'ai mal. Ah, j'ai mal, j'ai ma picote. Demi-tour. Faut juste l'enlever en fait. Eh, moi je l'enlève, nique sa mère, c'est bon. Écoutez... Les gars, faut l'enlever, la remettre. Toi. Ouais, juste enlever là. Tu enlever. Attendez. Déjà fait, hein, et moi je suis pas dans Zabi, moi je reste comme ça, moi. Là, je vais mourir. J'aspire la fumée. Je me change, moi, les poumons. Colonel, les pastilles, s'il vous plaît. On sert Spotted. Ouais, pastilles. Mais on s'en fout. Pastilles. Écoutez, les pastilles, vous les bouffez, d'accord? Adrénaline, mais toi, tu crois que c'est dans une équipe de Rof là ou quoi là? Oh, c'est la réalité là, hein? Écoutez-moi bien, ceux qui survivent, vous continuez avec moi, ceux qui survivent pas, vous retournez au bunker, vous êtes faibles. Écoutez, à partir de maintenant, c'est presque impossible de se repérer, on va rouler comme ça, d'accord? Rouler côte à côte. T'as compris, Major? Très bien, rouler côte à côte, on va rouler doucement, on examine, prenez des photos. Derba, Anal, prends des photos. Ouais. Guette le GPS, je te jure, la maison du daron, elle a pas été touchée. On est pile dedans. Quand, chef? C'est son code. Ah. On a perdu le gosse. Il habitait où? Je te dis pas, toi. Ah, on a perdu Derba. Bah, on a perdu. Des photos. On est plus que toi et moi. Ah ben voilà. Une balade en amoureux, c'est ça te va? Ça va pas? Si, ça va. Ça va, tranquille. Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Attends, mais il faudrait peut-être aller les chercher, non? Attends, je retire ma main pour passer la seconde. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon, ils sont grands, t'inquiète. Ouais, c'est quoi ça? Très bien, obstacle, devant. On prend à gauche, on suit, allez, on suit. Imagine, on meurt, on suit ensemble. Hein. Ouais. Comme Bonnie and Clyde. Et ils sont morts, eux? Ben oui, c'était il y a 400 ans. J'ai pas oh là notre belle c'est pas un film. Il y a eu un film. Il y a eu une musique de Jock. Ouais. Tu t'écoutais un peu Jock à l'époque? Ouais, ouais. Vas-y, fais, c'est quoi la musique? Ouais, je connais. Yes, ouais, comme Bonnie and Clyde dans la ville. On non, est c'est. Là posé dans j'ai un plein de projets. Prenez des photos. En tête, hein, que vous voyez. Un seul truc qui m'empêche. Menez des projets. La terre va préparer. Ma belle. Sorvan quitte la terre. Sur la tête, on vide la caisse. On se prépare à peut-être commettre l'irréparable. L'irréparable. Et on n'a qu'un seul gilet par balle. Gilet par balle. Tu connais pas? Gilet par balle. Si, je connais. On va te faire foutre. Tu connais pas, Tami? Tu faisais semblant? Bien sûr, je faisais semblant. Mais tu connais pas l'histoire de Bonnie and Clyde? Si, je sais que c'est un couple, ils se sont barrés, je crois. Un couple de braqueurs. Et on va essayer de s'arrêter. Non, des braqueurs de banque. Ah oui, des braqueurs, c'est ça. Pensez que c'est bon de sortir. Ah, c'est vous le chef, hein? Sortez un tout petit peu. Faites des photos, ne partez pas trop loin.
Restons groupés, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, cette gourdasse? Oh, regarde, fais-moi confiance. Attends, attends, bouge pas. Mets ta tenue. Oh, je la mets avant? Ok. Vas-y. Vas-y, enregistre. Je valide? Ouais. Et maintenant, retire-la. Vous m'avez abandonné sur la route. Tu la retires, je le remets. Vous êtes tout, vous. Non, juste tu la retires et c'est bon, normalement. Vous êtes là. Ah bon? Fais un truc genre, on met là ou on enlève là quoi. Ouais, voilà, t'as capté. Ah non, merde. Putain. Comme ça, vu de nez, je dirais au niveau. Ok, c'est bon. Hôpital, entrée d'autoroute. D'accord. Je vais aller le chercher. Il faut qu'il y ait personne qui naît. Il nous reste 7 minutes. On doit faire quoi là? Faut pas me poser des questions à moi. Prenez des photos, on va partir vite. Prenez des photos, allez. On va venir vous récupérer. Affirmative. Côté prise d'otage, là, on a eu que des pertes, on est plus que 4. Très bien, courage. Elle est où la prise d'otage? Beaucoup trop loin pour qu'on y aille maintenant. Force à vous. On continue l'exploration. Et Raph, il est où, Bébou, là? Il reste en chien, Raph. Bon, je progresse à pied dans la ville. Tu l'entends, Radio? La voiture des gens qu'on a perdu... T'inquiète, on arrive, Raph. Je viens de sauver. Ah, attendez. Qui est notre Il reste que 5 minutes. Hein. Mais comment ça se fait qu'il est, il est là-bas, lui? Non, mais c'est bon, il est dans la voiture, Raph. Faites pas de soucis, arrêtez-vous 2 secondes. Raph, c'est quoi ton hume, mon frère? T'as dit quoi, Raph? Matricule 359, chef. T'as un bon. Ouais, c'est rapide ici, hein. Voilà. Voilà, mon petit Raphouille. T'allais pas t'abandonner, quand même. Tu crois qu'on est des putes ou quoi? Il reste que 5 minutes. Ah. C'est rien. Y'a R. On arrive d'où? On sort comment et tout? Genre, c'est quoi le... On est les enfants, viens, on invente une meuf. Comment on l'appelle? Je sais pas, on est les enfants de Maria. De Maria? Ok, par contre, fais gaffe, pense à un truc. T'as vu, si tu fais F5, gestion de vêtements, et que tu mets un habit ou quoi, ça va t'enlever le ped. Donc, genre, si tu veux enlever ton casque ou mettre une casquette, tu peux pas. Changer de toute façon. Ouais, touche à rien. Et on est les enfants de Maria. Et quoi, on a grandi où, genre? On a grandi à Caio. Non, ils sont... Ah oui, c'est des mecs de Caio. Merci Elias, merci mon frère. Genre à Caio, mais il nous a envoyé... Non, ou sinon on est des Mexicains, tu vois. Lui, ouais. Quand il est parti au Mexique, il a baisé Maria, il nous a abandonnés. Et là, attends, on a entendu qu'il y a... Attends, écoute, on a entendu qu'il y avait une bombe qui avait pété à Los Santos, on savait que c'était à côté, donc du coup on voulait le sauver. On est venu pour sauver. On a peur pour lui, Ouais, vas-y, c'est bon. Vas-y, je me mute. Vas-y. Hola. On fait armes, on le cherche, ok? Ouais, et dès qu'on le voit, on le plaque et tout, on rend fou. On crie grave fort, parce que dans la tête, il meurt. Putain, Madre, ah bah super. C'est qui eux? Hola. Papa? Oh, Rafa? Papa? Rafa? C'est Rafa? Il est où Rafa? Il est où Rafa? Papa! Papa! Tu étais où? Vivente! Vivente, papa! Mais qu'est-ce que Gabi? Mais nada! Ça va, papa? On a eu peur! C'est Antonio? Oui! C'est quoi, Seigneur Rafa? C'est mes fils! On a eu peur avec la bombe nucléaire, on s'est dit, il fallait qu'on vienne te voir! C'est ce que t'as fait avec Lola, cela ou. On était pas. Non, avec Maria! Maria m'a pas dit qu'elle avait des enfants! Eh oui, c'est nous. T'es parti chercher des cigarettes et vous êtes les enfants. Oui. Si, papa. On a eu peur pour toi. Alors venez, serrez-moi dans mes bras, señores. Je suis comme ça. Non. Tu m'avais manqué. Retire papa, toi. Oh, Catherine. Papa, ça va, papa? Pendejo, tu es allé au Blue Boys. Non, c'est toi, tu m'as éduqué, tu te rappelles pas, papa? T'es parti quand on avait 15 ans. Non, je suis parti bien plus tôt, alors dans ce cas-là, je me rappelle pas de t'avoir laissé dans cette situation. Non, là, papa, non. Il est sur le cul, là. Ça va l'appeler papa pendant un mois. Même Sophie, mais il y a même un qui est sur. On avait peur pour toi, papa. On a entendu la bombe, elle a explosé.
Du coup, on est venu. Il y a le corps d'Adzine qui arrive, le corps d'Adzine. Mais qui êtes-vous? Mais on était fils. T'es sérieux là, papa? Je me rappelle pas, signore, je me rappelle pas de vous. Métal, on est tes enfants, on est tes enfants. Ah, bien, bien, dis-moi, vous habitez à Los Santos, vous habitez où exactement? Non, Mexico. Comment Mexico? Je ne vous ai pas entendu, je n'ai pas eu de nouvelles de vous depuis tant d'années. C'est alors, normal, tu nous as abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. Pétasse. Adine est prête. Bien. Tu es parti quand tu étais au Mexique en vacances, T'as eu une histoire avec Maria et t'es reparti. Non, je n'ai pas abandonné. J'ai donné l'argent à Maria pour qu'elle puisse garder ses deux enfants, señores. Mais t'es notre papa. On a vu la bombe, on s'est inquiété. Señor, excusez-moi de vous couper la conversation. Si. Et ils vont faire le petit rituel sur Adzine. Je ne savais même pas que c'était mes hijos, señores. Ouais, papa. C'est très bizarre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Maria et encore moins de savoir qu'il y avait des enfants avec elle. Bien? Oui. Il va falloir que je me mette un peu de d'autres sur le visage, bien? Nous, on reste quelques jours. Bien. Donc tu vas t'occuper de nous et tu vas rattraper le temps perdu. Le temps perdu. C'est quoi vos noms? Ben moi, c'est Antonio. Antonio, bien. Et tout? Et moi? Mais tu m'as oublié. Tu t'en rappelles vraiment pas? Nada. Écoute, comment t'expliquer? Ta mère, je l'ai trouvée dans un endroit où on danse beaucoup. Tu comprends? Et à ce moment-là, je me suis marié avec ta maman. Et du coup, je n'ai pas revu ta maman depuis ce temps. Elle m'a demandé des pesos. Je lui ai envoyé des pesos pour qu'elle puisse vous nourrir. Mais je ne connais même pas votre nom. Votre prénom, je veux dire. Votre nom, c'est le mien. Mais papa, moi, c'est Pachenko, moi. Pachenko? Pachenko. Non, Pachenko. Pachenko. Mais en Mexico, on l'appelle Pachentas. Pachenko. Mais tu peux l'appeler Pachentas. Dis-moi, Antonio, tu étais avec ton frère pendant toutes ces années? Ben, bien sûr. Vous avez traîné ensemble? Bien sûr. Mais papa, qu'est-ce que tu as contre moi, papa? Je n'ai rien. Je ne comprends pas. Non, tu n'aimes pas mon orientation, papa? Non, nada. Non, tu vas bien t'entendre avec ton demi-frère. Dos menudos. Putain, papa, tout ce temps perdu, tu es parti. Tu nous as abandonnés comme des merdas. Je ne vous ai pas abandonné, entendido? Je ne savais même pas que j'avais des hijos. Dos minutos. Tu le savais, arrête de mentir, on te parlait sur WhatsApp. WhatsApp? Antonio. Oui. Oui, hermano. Non, rien. D'accord. Ouais. Je suis un peu déçu, papa, il nous a... Mais bien sûr, il nous a abandonné une fois, il va nous abandonner deux fois, tu vas voir. Je ne vous ai pas abandonné, hijo, je ne savais pas que vous étiez là. Écoutez, si, j'arrive. On arrive. Il peut venir, je pense. Vous faites pas de bruit. Perfecto, papa. C'est quoi le plan, papa? On va les sauver, Adzine, c'est un chaman de l'île. Bien, on va essayer de la sortir d'ici. Et moi, il n'y a pas la place pour moi, papa. Si. Monte. On va pas loin. Tu vas m'abandonner sur le bord de la mer comme tu m'as fait la première fois? Non. Pardon. Je y arrive pas. Je monte avec. À m'asseoir. Seigneur, faut que. Mets-toi derrière, seigneur. Pachenko. Pachentas, mets-toi derrière. Pachenko, mets-toi derrière. Bien, perfecto. Merci, mon frère. Je voulais le classement. Pourquoi y'a que toi qui me valide? Doucement. Et qui m'aime? Tu vas faire tomber le seigneur Rafa. Parce que moi, tu es mon hermano. Mais vous êtes sûr que vous êtes son fils, vous deux là? Va te faire enculer, toi, on n'a pas de compte à te rendre, cabron. On est les fils à Rafa qui eux-mêmes, tu vas pas nous manquer de respect. Vamos, señores, vamos. Eh, vous manquez de respect, moi, j'ai faim, Rafa. Il est faim. Après, je vous donnerai à manger, entendido? Non, mais il est faim, là. Si, il est faim, papa. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Votre père travaille dans les champs, du coup, tout ce qu'il faut. Et non, mais là, il est faim, là. Tu as faim? Tu vas manger. Très bien. Tu as quel âge? Lavez-vous ici, là. Non, vous pouvez enlever le masque aussi. Quel âge on a, hermano? Hermano, on a 22 ans. Ouais, moi, je vous ai fait en même temps 20 ans. Que j'ai... Putain. C'est mon grand frère. Je crois que je vais lâcher. Eh, Maria, va bien? Merch, trouve un mouchi. Il est faim. Bien, mais tu...
T'as pas pris soin d'elle? Parfois, ton fils, pour savoir, Rafa, si, il est faim. Tu as faim? Je dois t'appeler Rafa ou papa? Si, papa. Appelle-le Daddy. Daddy. Papa. Papa, pendejo. Daddy. Est-ce que tu as... Est-ce que vous avez à manger? Señores! Si, papa. Est-ce que vous avez... Ok. Donnez-lui à manger, señores. Est-ce Por favor. Lequel qui veut manger? Moi. À papa mi numéro 1 ou numéro 2? Tiens, papa. Tu seras ma best friend, toi. Enchanté. Enchanté, papa. Merci. Ça va? De rien. Tiens, bois ça, c'est trop bon. Fils à Rafa. J'y suis le fils à Merci. Rafa. J'ai trop faim, par contre, j'ai pas mangé là, je me rends compte là. Enchanté, comment tu t'appelles? Gabriella, enchanté. T'es ma copine à partir de maintenant, Gabriella. Ah, ok. Ouh, il fait froid, papa. Daddy, il fait froid, Daddy. Tu veux une burger? Je n'y peux rien, seigneur. Pour l'instant, tu vas... Hein? Lever au Mexique aussi, non? Pachetas, tu veux une burger? Ouais. Non, je sais très bien, j'ai faim, mais pas... J'ai compris, hermano. Oui, j'ai compris. Pacheco, tu fais en santé. Pachentas. Rafa, tu es très mal renseigné sur, sur nous. Le plus calme, va voir l'autre. C'est lui qui va. Arrête tes conneries. Bien, bien. Moi, je suis calme. Ça a commencé. Parle un peu plus fort, seigneur. T'as rien. On n'entend pas, Kimbula. Kimbula. Ne vous inquiétez pas, moi en train de disposer au lit sacré au sort, être important. Bien, bien. Attends juste, avant que tu commences, Kimbula, je prépare l'équipement médical. Alors, déjà pour commencer, Oyata, d'être venu. Être Oyata. Cérémonie Oyata. Spéciale, pas faire ça tout le temps. Aujourd'hui, moi, en tant que chaman, tribu, risquer ma vie. Vous ne pourrez pas ressusciter tous vos frères, vos mères, vos pères et vos... Commencez par lire la prière de Shimalma. Celle-ci est importante, je vais la faire. Tout doucement, vous allez répéter avec moi chaque mot à la lettre. Je vais vous demander de vous concentrer. Aucun manque de respect devra être fait aux dieux. Aucun écart de comportement. Cela pourrait troubler ma concentration. J'espère que vous avez tous compris. Si, seigneur. Alors, commençons par la première prière. Vous allez tous répéter petit à petit. Mageshimalma. Mageshimalma. Yak Eravata. Yak Eravata. Savandena. Savandena. Apava Araksa. Kirimata. Apavasa. Raksa. Kirimata. Prata. Ta. Ta. Apasa. 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 Apeidama bala. Apeidama bala. Genima. Gena. Gaini moi. Les sat mama. Uben Ayeda Fitimi.
Yata Shima. Yata Shima. Maintenant que vous avez pu prier la mère des dieux, nous allons commencer par l'épisode le plus important de la prière. Non, vas-y. N'ayez pas peur. Ici est une offrande. D'habitude, la tribu, autrefois millénaire, nous sacrifions des femmes vierges, encore vivantes, pour ressusciter nos morts. Il n'y en a plus. Ah non. Gabi. Non, Gabi, ça va. Il n'y en a plus dans notre époque. C'est en voie de disparition. Votre boîte magique, messieurs, ça va être manque de respect. Imagine que c'était le téléphone. C'est le téléphone, oui. Je vous demandais du coup de tout vous accomplir comme vous l'avez fait devant moi. Vous allez lier votre âme au sol. Je vais commencer par un petit chant assez court. Je vais devoir me trancher moi-même une partie de mon bras. Pour faire couler le sang sur les rues. Oh, bref. Je vais faire la partie dans votre langue. Oh, frérot. Des raids, ça c'est bien, non? Mais viens, on encule toi alors. On finit ça. On meurt. Mais viens, on fait des pires, non? C'est bien les pires. Vas-y. Tu veux prendre la tourelle? Bien sûr. Je prends la tourelle. Tiens. Vas-y, vas-y. Tu conduis bien ? Vas-y. Reste appuyé. Allez, c'est parti. Vas-y, passez devant. Tout le monde est radio ? Radio 777. Ouh. Ok. J'ai calibré l'aimbot là. Nickel, ouais. On y va. Quel est le programme là? Vampire. Ok, c'est bon. Ruben passe devant. On va pas grapser. Patron, tu veux qu'on passe par grapser. Ah, mais là, si on passe, c'est une route minée. Hein. Non, c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Non, évite. Évite. Là-bas, c'est pas possible. Ah non, passez pas par là. C'est comme vous voulez. Bah, vas-y, non, faut pas passer par là. Ah bah, prenez l'eau, qu'est-ce que j'attends, moi aussi, je suis con. Ah, ça, c'est trop stylé, par contre. De quoi? Quoi? Regarde, hein. Quoi? Ah ouais? Ah ouais, il y a un moteur. C'est les barils qui font flotter. C'est incroyable, wesh. Mais comment ils font pour sauter autant, hein? Du coup, là, c'est comment? Je sais pas, le patron, il a pas dit. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, y a des personnes qui sont pas là. Et là, ça me suit. Y a tout le monde là, ok, vas-y, go. Tiens, je suis à l'école primaire, moi. On est tous là ou pas? Ah, attends, y'a Kata, elle est au sol. C'est bon, c'était bon. Allez, à la guerre! Là, on va à gauche. Complètement bourré, lui. Allez, au fond, à gauche, y'a du monde.
Arrachez tout, arrachez tout. Tirez dessus. Derrière, tire derrière. Mais pourquoi vouloir tirer dessus? Pourquoi vouloir tirer dessus? Parce qu'il y en a un qui nous a tiré, il y en a un qui nous a tiré dessus. Ah, il a tiré dessus celui là-bas là, t'as vu celui qui marche la route là? Alors on y va, on décoche la zone. Bon. Faites gaffe à pas tirer sur n'importe qui hein. Quand même. Non mais parce qu'il aura tiré. Non, il nous a tiré dessus. La prochaine fois faudra prendre en otage. Bah, il continue le con. Attends, il manque une voiture là. Non, je peux tirer dessus. T'as dit quoi avec le magasin de points? Magasin de points, je vais tirer dessus quand t'as allé au sol. Ok, on va repasser. On arrive, on repasse. Va vas-y, là on tire plus, là on braque. Ah, ouais, on braque. Les passagers, vous descendez, vous braquez et allez vous faire enculer là. Derrière le camion bleu, il y a quelqu'un. Roulez tranquille, on arrive d'un coup. Belle rêve. Derrière le camion bleu, là, normalement, ils sont complètement fous, ils tirent. Ne tirez pas. Il est là tout seul. Je suis au magasin de. Tirez pas, tiens. Ah, c'est moi, et on lui a dit arrête-toi, il s'est pas arrêté. Passez la troisième barre. Les mains. C'est qui toi? Retirez pas dessus. Ah ouais, ok. Ah. Allez, on monte. Un par. Dépêchez-vous vite. Allez, s'il vous plaît. Allez, montez, putain de merde, montez. Tu vas où, toi, petite merde? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Monte dans une voiture. Là, trouve derrière, la place derrière. Vous êtes qui, les gars? On est du même camp, ok? Enlève-lui ses armes, Connard. Qui a dit connard? C'est lui, là. J'ai rien, gars. T'es sûr, hein? J'ai rien du tout, putain de merde! On y va, vous! T'as rien briqué! Un là-dedans, un seul là-dedans! Oh putain, c'est la guerre ça! Vachement tôt! Rappelle mon époque! Il y a un hélicoptère au-dessus de nous! Faites bouger là, non? On a un petit tir d'otage! Rafale et l'hélicoptère, tire Rafale! Non, il a pas envie de tirer dessus là! On fait demi-tour! Allez, on y va! Mais du coup, t'aurais un feu! Oui! Dans le cul de ta mère! Dans le cul de ta mère, putain! C'est bon, laisse-le, vas-y. Allez, portez, on laisse là, lui. Il a culpabilisé? Pourquoi t'es monté avec nous, papy? Cherchez un peu! Y'a personne qui m'a répondu, tiens, j'ai eu besoin d'un plus, d'un peu, tu vois. Personne m'a répondu. J'ai trouvé un truc. Il vise sur quoi, là? Vas-y, je sais pas. Y'a un hélicoptère derrière, trou de cul! Mais la voiture ouvreuse. Pas dans un endroit où on peut négocier quelque chose. Ou bien les yeux du con. Mais arrêtez de m'appeler trou du cul, bande de trou du cul. Le capitaine là, négocier trou du cul encore. Maintenant je vais te traiter de trou du cul. Mais si tu m'as très clairement traité de trou du cul. Non, je t'ai dit si t'avais un feu de base. Je t'ai pas demandé de trou du cul. Mais regarde dans la boîte à loup. Concentre-toi sur la route, putain, t'es en train de regarder à dehors. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai baisé ma. Ta gueule. Ok. Moi je suis le mec sombre et nerveux. Ah d'accord, ok. Très bien. Alors je vais prendre le rôle du gros con, ça te va? Mais quel rôle? T'es un otage toi? J'ai pas un otage putain, je demandais un feu, c'est tout. Je me suis retrouvé dans cette voiture. Tu veux du feu? Oui, je voulais juste du feu. Tiens, allume quand je tire. Attends, mais vise bien putain, mais trop dur. Là vas-y. Allume quand je tire. C'est bon? À cause de tes conneries putain. Ils sont où les autres? Comme ça, c'est quoi? C'est du sang. On est trois, nous. Ok.
Rentrez, rentrez, je fais le guet. Il y en avait pas trois? Je fais quoi, je fais quoi de l'hélico là? Faites-lui peur à l'hélico, tire à côté. Ok. Comment tu peux guider cette bizarre route? Tu t'es foutu de ma gueule là? Ouais, ouais, ouais. Mais attends, mais c'est qui là? Moi? Mais t'es malade toi? Moi je m'appelle. Je suis ta mère ou quoi? Je m'appelle Croutard. Je crois je vais d'abord buter celui là comme ça monsieur propre la va nettoyer ensuite non, je non, le non, bute. Non. Ah, il non, a l'air paniqué hein, monsieur propre. Hein. C'est bon arrêtez de tirer. C'est bon arrêtez de tirer, laissez lui compter au dessus. C'est bon. Paniquer toutes les bols. Ouais, des camions. Arrêtez de dire. Et ceux qui sont à côté des otages, prenez leur radio. Et allez dans leur radio et dites-leur qu'on a des otages. On veut de la bouffe. Je crois que leur radio c'est 666. Le capitaine, dès qu'il arrive, on le prend en otage. Ben pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai, on est des fils de la ville. Ben oui, clairement. Ouais, dis-nous. Ils sont sur la droite, à droite de la maison derrière les silos. Ils sont au minimum 6. Il me tire dessus! À droite? Ah, il tire dessus, mais. Ouais, au silo, derrière les silos là! Okay. Soit de la pousse! Ah oui, ils sont sur les silos! C'est bon, y'a plus sur les silos! Allez, là, ma bite! Et putain, je mange. Allez, y'a plus personne. Pourquoi ils ont pas cherché à parler? Tu leur as pas dit à la radio? Y'en a qui sont cachés, faites attention. Ah, je suis... Pas fastoche. Aïe 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 aïe, sa mère la pute. Aïe. Bouge pas bouger. Ta gueule, toi. Tu m'as dit quoi? Aïe, j'ai mal. C'est bon. Tu m'as dit ferme ta gueule? Non, désolé, aïe. Mais c'est moi, il est con quoi? Je me fais TK? Les gars, y'en a un qui me tire dessus là, s'il vous plaît! C'est le papy, il est devenu fou! Ah, pas bouger! Ok. C'est bon, je les ai, calmez-vous, je les ai! Je vais les dire! Bah bouger! Arrêtez de tirer! On reçoit des coups de feu encore. Stop, j'ai les 3 en otage là, 4! Voilà, pas à bouger, arrêtez de tirer! Non mais par contre, les flics si vous tirez! Arrêtez de tirer, je les tue! Oh! Je vais les tuer! Oh! Là, regardez-moi, je vais les tuer! Hein, baissez vos armes! On est pris en otage, les gars. Oui, monsieur, on vous voit, Merci! Putain, oh! C'est comment? On n'en peut plus, on veut discuter! Comment ça sera trop dur dans la maison là? Vous avez pas l'air de voir. On veut discuter! Vous arrivez, vous nous tirez dessus! Arrêtez de tirer! Stop! Arrêtez de tirer! C'est le papy qui est devenu fou, c'est papy! Tue le papy s'il tire! Tuez-le! Tuez! Et vous revenez là! Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de dites-moi, vous allez pas parler avec moi je suis pas le chef, les 3 vont venir avec moi et vous allez négocier avec mon chef. D'accord. Bah oui. Oh. Allez, on avance, les otages, vers la maison. Je ramène les otages. Pas bouger, hein. J'ai les otages,
Qui tire encore là? En fait, vous comprenez pas, on est en otage, tirez pas, sinon on meurt. Tuez le papy s'il tire. C'est pas le papy. Qu'est-ce qui se passe ici? Un hélico encore, un hélico. J'ai dit d'arrêter, mais s'ils veulent pas... Je ramène 3 otages flics là. Ah mais c'est bon militaire, je sais pas ce qu'on traite. À droite, à droite. Oh le gosse! Non, et c'est lequel qu'il faut arracher? Et toi, tu m'as tiré dessus 20 fois au moins, toi, avec ton minigun! Fils de pute, va! Avance! Avancez! Amir! T'as pas l'air d'un analogue, c'est pour ça! Amir! Ouais, c'est quoi le programme là? C'est qui? Parce quoi là? Ils sont tous en otage! Oh, il y a une patrouille! Putain! Arrête! Ne retirez pas dessus, on va négocier. C'est un truc de fou, frère! Oh! Plus personne ne tire. On va négocier, plus personne ne tire. Putain, avance! Pourquoi il y a un gamin de 12 ans? Dans la maison, dedans, dedans, dedans! Hop, et on saute là-bas, et on rentre dans la porte. Allez, dans la maison là, ne retirez pas dessus! Tout droit là et à gauche là. Et cassez pas les couilles. Et hop, gauche, droite dans la porte. Ça tourne, Mireille! Ça tourne, ça tourne, ça tourne! Toi, tu retires pour rien, je te tue, hein! J'ai pas tiré! Super! Vaut mieux, putain, sinon, c'est une merde! J'ai bien l'impression que ça va pas se passer forcément comme prévu, monsieur! Non. Comment allez-vous? Ça va, vous, monsieur? Tranquillement. Il est où, Chapman? Et je crois qu'il est pas disponible. On l'a appelé en radio, il est pas là. Elle est pas là. Non, il y a que moi. Bonsoir. Non. Vous êtes quoi comme grade? Capitaine. Ah, oh, m'intéresse pas. Y a pas quelqu'un au-dessus de vous, entre vous et Chapman, peut-être? Mmh, non. Moi le plus haut. Il y a le monsieur là, maintenant. Major de l'armée, major du S-Army. Non, mais ça c'est l'armée, ça nous intéresse pas. Malheureusement, vous avez les deux. Ah, vous êtes là, chef, il faut que vous veniez, ils veulent négocier avec vous. C'est qui? On a une prise d'otage à la ferme des Onis, ils veulent négocier avec le chef. Disponible. Eh, papy, je t'ai dit quoi? 57, il est plus au LSPD. Je t'ai dit quoi, papy? C'est mon fils qui m'a chauffé, désolé, je suis vraiment désolé. Il ment. Oh, le menteur. Oh, arrête de me dire des conneries, putain de merde. Ouais, c'est toi qui m'as niqué ta mère, tire, ça bat les couilles. C'est qui lui, pour ça? C'est je sais pas. T'es qui, toi? Eh, bon, je suis celui qui t'encule si je veux. Ah bon? Ne tirez pas sur la voiture. Oh, quelqu'un reste quelques messes, hein. Moi aussi. Les gars, s'il vous plaît. Toi, ferme ta gueule, toi aussi. Messieurs. Toi, nique ta mère, toi. Ferme ta gueule, toi. On t'encule, toi. Quoi? Je te passe ta mère, moi. Répète. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Dark Sasuke? Répète. Faites ça, vas-y, répète. Répète si t'es un homme. Ouais, on est récupéré. On n'est pas organisé, ils vont nous dire qu'on n'est pas organisé. On a organisé. Créer la nouvelle Amérique. La manière. Non, c'est nous qu'on va laisser. Ils vont soigner. Vous, vous allez simplement vous plier à nos règles. Je te jure. Entendu? T'es dans les bons clous, là, dans ce que tu dis. Oui, c'est ça doit être ça. Ah ouais, c'est un truc. Est-ce que la meuf là en face, elle se la croit? Au revoir l'ancienne Amérique et vive la nouvelle Amérique. Eh, va te laver, toi. Tu te laves pas là. Quand t'as les cheveux verts, toi. Je me lave, vous avez sûrement le nez trop près de la bouche. Je suis fan de musique punk. Vous avez sûrement le nez trop près de la bouche. Tu pues, tu pues. Au cas où, on a un policier matricule 34. C'est mon mari, super. Oh. Ah, wow. T'es un mari, toi. Qui te touche, quoi? T'es un mari. Là, c'est bien, ça. T'es un mari. Un mari. Et réponds-moi, oui, quand je te oui, parle. Oui, aussi dégueulasse que je suis, j'ai un mari. C'est quoi votre nom? Maxime. Je voulais faire un bisou pour vous, bougez pas. Bizarre le poteau là. Il est très bizarre. Il est étrange. Nouvelle, bizarre le rouillard. Il est étrange, oui. Les preneurs d'otages s'impatient. Mais on va voir ça, attends. Vous voulez faire une photo et me l'envoyer sur Snapchat? Tu n'es pas dégueulasse, tu les ça va quoi, ne dis pas tu les dégueulasses. Elle est totalement dégueulasse, elle a vraiment raison. Ils sont tous sur le toit de la grange en fait. En vrai de vrai.
Il est 1h du mat, je vais faire un petit peu de RP admin, histoire que la scène se passe bien. Et après je me pète sur FIFA. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.